Hello! Donc là, j'ai fait peur à tout le monde en ouvrant la baie vitrée. Voilà, c'est ça. Et puis il y a les chasseurs, on adore. Du coup, je voulais vous montrer les filles qui sont de ce côté-là. Today, on va. Je vais essayer de vous montrer un peu les juments. Vous êtes beaucoup à me demander les juments, comment elles s'appellent, leur race. Et je me suis dit, ben, quitte à revenir sur YouTube un petit peu sérieusement, nous pourrions éventuellement, du coup, commencer par ça. Là, c'est les juments. Celles-ci, je pense qu'elles sont. On va aller les voir. Du coup, petit vlog aux écuries. On va aller vous montrer les juments et surtout les petits poulinots qui sont arrivés parce que, ben, quand même, c'est le but d'aller aux écuries pendant le printemps. Il y en a une vingtaine d'arrivées. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur. Ben, j'adore. J'adore. Elles sont insupportables. Elles sont insupportables. Mais vraiment, les filles quoi. Je vais vous montrer du coup les petits poulinots. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur TikTok, n'hésitez pas à aller nous rejoindre. Je vous poste des petits vlogs en général d'une minute de tous les nouveaux poulinots qui sont arrivés. Voilà, donc je suis complètement gaga. Des chevaux de mon beau-père, des juments, des poulains. Donc non, je ne suis pas folle. Et ben voilà, on va aller voir les filles, on va s'en rapprocher. Et celles aussi qui sont dans le box. Par contre, il m'énerve lui, à tirer là. Coucou Fifi, tu as encore bien ton poil d'hiver. Donc là, il y en a certaines qui sont trop bien. Oh, bah oui, c'est des juments quoi. Donc elle, c'est une pure sang, on voit bien. Et les autres, je ne sais pas. À la limite, on dirait que c'est un poney en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un poney. Coucou, vous venez dire bonjour! Ça serait bien trotteur. Et ça, haha, vous pensez que c'est quoi comme race? T'es quoi comme race? Tu sais ta race ou pas? Trotteuse, non? Oui. Voilà. Elles sont plutôt bien. Et là, on peut voir pareil. Pur sang, je pense. Mais il y en a, elles sont vraiment petites, hein. Je pense que c'est trotteur du coup. Parce que je sais que les trotteurs, il y a vraiment plein de tailles. Et bah elles, pareil, hein. J'avais un poney. Voilà. Mais j'hallucine quoi. On dirait qu'il y a trois poneys alors que normalement il n'y en a aucun. Voilà, elles sont en train de décider d'attraper de l'herbe. Je comprends les filles, je comprends. Parce qu'il faut que ça repousse. Ça va? Elle aussi, on peut voir qu'elle est un peu grosse. Ça va, fille d'amour? Tu bronzes. Les paddocks sont ben, beaucoup retournés. Voilà, parce qu'il a beaucoup plu en Normandie récemment. Ça fait la sieste! Mais bon, c'est quand même bien qu'elle soit dehors la journée avec ce temps. Hop, là, il y en a d'autres qui mangent. Tu voulais venir me dire bonjour? Je t'ai entendu marcher. Tu sais pas? Coucou les filles d'amour. C'est trop belle elle. Ah, je sais même pas comment je peux. Je peux pas zoomer. On est aux écuries, elles sont toutes dehors. Du moins les juments et les petits poulinous. Coucou les filles d'amour. La réalité, c'est que j'essaie de filmer. Hein? Oh mais ils sont tous trop mignons quoi. Les filles d'amour. Vous êtes curieuses? Ah! Je suis fan. Trop beau le petit poulinou. T'es trop beau. T'es trop beau ou t'es trop belle? Non, très beau. Vous voulez bien dire bonjour ou pas? T'es trop beau. Tu sais que t'es très beau? Trop cute. Trop trop cute. Tu t'appelles comment? Je suis archi fan. Je suis complètement fan. T'es trop beau.
petit cœur. Ah, tu veux voir sa mamounette. Coucou toi. Si, si, ça se gratte, ça se gratte. Ça va, fille? Tu veux bien dire bonjour ou pas? Tu veux bien me dire bonjour? Ça va? Attention aux oreilles. Toi, t'es pur sang. Ça aussi, je pense, pur sang. Mon petit poulino? Petit poulino, il se cache. Coucou! Hihi. Ça fait la grosse sieste. Non mais lui là, j'adore. En réalité, il y a beaucoup de poulains que je ne connais pas. Mon beau-père en a encore vu un l'année dernière. Du coup, il y a des juments que j'ose pas trop approcher parce que j'ai pas envie de mourir non plus quoi. Voilà. Ah, lui là-bas, je crois que je connais. Il y en a où je sais qu'ils sont... trop cool et qui veulent bien faire des petits bisous, des petites papouilles, mais il y en a certains. Ah oui, tu m'as reconnu. Lui là, il me connaît. Est-ce qu'il va venir me voir? Tu me reconnais ou pas? Parce que moi je sais que je te connais. Oui? S'il vient, c'est juste trop mignon. Coucou. Tu me reconnais? Bonjour. Oui, tu me reconnais? Petit nez. Pip, 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 pip. Ça va? Oui, tu reconnais le manteau surtout, je pense. Si une jument qui fait beaucoup de bruit, c'est parce qu'elle est en train de se rouler. Des petits sous. C'est bien, tu m'as reconnu, dis donc. Je suis contente. Mais doucement. Voilà, des petites voix dans la bouche, ça va calmer tout le monde là. Voilà. Hihi. Tu me reconnais. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Ça fait trop plaisir. Je t'ai vu hier en plus. Ta mamoune, elle est là, elle s'en fiche que je m'occupe de lui. On aime bien les gratouilles. Oh, on aime bien les gratouilles. Voilà, donc il y a des poulains comme lui là, juste trop mignon. Ça fait trop plaisir. Oui, je t'ai vu. Ouh là là. Alors, elle m'aime trop. Et sa mère, quand même, très loin. Sa mère, c'est celle-là. Pourquoi tu me colles? Que tu es très belle. Et lui là, curieux. Jaloux. Parce que je fais des petits bisous à lui. T'as pris de la confiance quand même, toi, ma belle. Tu diras à petit bébé que t'as pas peur. Hein? T'as pas peur. Tu n'as pas peur. Avec un petit poulino. On se recule? Hop, on se recule. Ouais! Trop forte. Trop forte. T'es gentille. On a dit quoi? Doucement. Belle. Belle. Doucement. Doucement. Voilà. Non. Non. Doucement. On est gentil. On est gentil. Je vois bien le petit noir là-bas, là, qui est curieux comme tout. T'as vu que ta madré à toi, elle est là-bas. Hé. Doucement. Tu viens me dire bonjour à moi ou pas? Elle est un petit peu timide. Tu viens me dire bonjour ou pas? Vous voyez sa tête là. Tu viens me dire bonjour ou pas? Ah oui. T'es gentil?
Mais gentil, va pas taper là, la copine. Non, mais on mange pas les faces de la copine quand même. Bah non. En vrai, je suis choquée du poulain, de la pouliche, parce que je savais pas si c'était un mâle ou une femelle, qui m'a reconnue. Vraiment, ça fait trop, trop plaisir. Oui, c'est encore moi. Elle est là. Elle me voit. Elle est trop mignonne. Ça fait, je sais pas, c'est juste trop mignon en fait. Trop mignon. Et les autres sont assez loin. Je vous ai vu les bébés. Elle. On va aller la voir. Tu fais tes petits bisous aussi ou pas? Non. Non. Elle revient. Coucou. Ça va les bébés? Hein? Toi, je te connais pas. Donc en fait, je ne peux pas voir. En fait, je ne vais pas trop faire des juments comme elles sont assez loin. Mais c'est pas souvent en fait que je viens aux écuries sur le midi, sauf que c'est là où les juments sont encore dehors avec les poulains. Et ils sont encore en train de bronzer, de manger, de dormir, profiter du coup du troupeau. Et c'est trop mignon. Enfin, ça change vraiment de quand je les vois dans les box, c'est que ben c'est pas le même comportement, on va dire. Et je vais vous montrer les juments qui vont vraiment bientôt pouliner. Elles sont énormes, mais vraiment c'est super large. Coucou tout le monde. Alors du coup, je vais vous montrer là. Donc dans les juments ici, c'est les poulains qui sont assez récents et donc trop fragiles encore pour aller dehors avec le troupeau. Vous voyez, ceux-là quand même, on voit qu'ils étaient un peu plus âgés, on va dire, que ce poulain là ou ceux qui sont un peu plus loin. Coucou. Voilà, trop fragile encore, et ou les mères un peu peut-être trop protectrices. Voilà, coucou les petits cœurs. Je touche ou je touche pas? Si je touche, ça fait quoi? Ça va, je touche les doigts. Trop mignon. Coucou fille d'amour, ça va? Sa tête ici. Ouh, sa tête. Les juments ont l'air trop paisibles. Là c'est grosse sieste. Non mais pas besoin de te déranger. Et là ça mange aussi. Coucou. On voit qu'ils sont plus petits. Hihi, les petites têtes. Coucou fille. Je ne dérange pas, je me pousse. Et du coup, là, vous avez les juments qui vont bientôt pouliner. Je pense que vous pouvez voir d'avance le gros ventre. Ça va bientôt toucher le sol. Du coup, elles sont la journée dehors quand même. Et le soir, elles sont au box. Elle, là, Alzane, là. Oh. Mais vraiment, elle est énorme. Les autres, je m'en rends pas compte, quoi que celle de derrière aussi. Je pense que vous pouvez voir, elles sont bien grosses. Ah non. Hop. Oui, on suit ma moulette. Ah non, petit cœur, c'est pas par là. Non, attends. Donc, en fait, vous avez entendu quand je dis là, petit cœur, c'est pas par là. En fait, le poulain a hésité entre prendre l'entrée du paddock ou l'autre côté de la porte où, en fait, ça donnait ben, un angle fermé avec la barrière. Et le poulain, ensuite, en fait, a pas vu sa mère ou a pas reconnu l'entrée pour accéder au paddock et est parti courir dans toutes les écuries. Il a fait le tour, en fait, des écuries. La mère l'appelait mais sans plus que ça, donc le poulain n'avait pas de repère, donc gros stress, voilà. J'étais censée aider mon beau-père que ça se passe bien. Bon,
au final, 5 minutes après, on a pu rattraper le poulain parce qu'il arrivait dans un angle et que j'avais vu où était arrivé le poulain. Donc là, mon beau-père avait la jument, il m'a suivi. Mais voilà, les poulains bah, ne voient pas forcément très bien encore. Et donc là, il avait hésité et il avait pris le mauvais chemin. Voilà. Voilà, donc j'ai chaud. J'ai chaud parce qu'il fait chaud et en plus j'ai chaud parce que petit coup de stress et je déteste, je suis censée aider mon beau-père mais je l'aide et au final, bah, au final ça ne l'aide pas. Voilà, mais c'est pas grave, le but c'est qu'on reste zen, qu'on ne stresse pas, qu'on ne stresse pas la jument non plus parce que le poulain n'a pas besoin non plus de stresser, mais c'est pas l'idéal, voilà. Voilà pour le petit vlog, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu en vrac parce qu'en fait j'ai seulement été là où les poulains avaient l'air bien et j'ai surtout parlé aux poulains plus qu'à vous, mais voilà, gros bisous.